Number of photos. And so the camera push one by your five. Yeah, but we may hear about the next. مرابع القطعي جاي نون مخلوقات نون الجمراء منطقة بي إشمائيل ربي شمان بن أخي ربي شمان بن أخي دي سوسي وأصبت بمنخة ترمسها ta récolte, ton froment. La taille que la personne doit ramasser, si un coup lui a donné une récolte, c'est pour la ramasser. Bat Oudomar. Dire à Bishouman Berlouhaï, et Charlot et Adam Zroa Bishadriya, Dixon Al-Ksira, Et Torah Matrikalia, si l'homme il doit courir au moment du labour, semer au moment de la semence, et moissonner au moment de la moisson, quand il va s'occuper de la Torah, et là, dire à Bishman Baruchah et Gassad Ganecha, Bisman, שישראל עושים רצונו של מקום ומומן הוא ישראל פום שכה הקדוש ברוך הוא מודמון ועמדו זרים וראו צונחם ששון איזה פרוז'ה כמיין רום פופן לא חווי אבל בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום Mais quand Israël ne font pas du tout le rachon de la Kachmarchum, l'homme il évade, ce n'est pas seulement qu'ils doivent faire leur propre travail, et là ils feront aussi le travail des autres. Tandis que Rabbi Ishmael dit Hanhek Baem Minhag Derechev. Rabbi Ishmael dit Il faut te conduire, te comporter comme d'habitude. Chaque melacha, melacha, bishat, limoud, limoud. Moment de l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Moment de la melacha, il faut faire la melacha. Et la Gemara continue et dit Harbe asu ki Rabbi Shimon bar Yochai velo ata biyadam. Plusieurs ont fait comme Rabbi Shimon bar Yochai. Ils n'ont pas réussi. Plusieurs ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont réussi. Alors, il faut d'abord se poser la question, qui ça veut dire plusieurs ont fait. Plusieurs ont fait, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont fait, qui ont réussi comme Rabbi Ishmael. Il y a Miaout qui a fait. Il y a Miaout aussi qui n'ont pas réussi comme Rabbi Ishmael. Et là, où se situe le point de friction entre Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael. C'est le point de la émona du bitachon. Le bitachon dans Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit Vedaber Hashem et Moshe Behar Sinai est mort. Rashi pose une question. Ma Elian Shemita et Zerar Sinai. Qu'est-ce qu'il y a dans quel rapport il y a entre Shemita et Zerar Sinai? Abotage. Tout ce qui a été émis sur Zerar Sinai a exactement rapport avec la Shemita. Dans la Shemita, il y a une septième année. Une septième année, on ne devrait pas du tout travailler. On ne devrait pas passer. On ne devrait pas récolter. On ne récolte que ce que nous devons manger. Pas on récoltera pour vendre, pour engranger. Pas du tout, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est
d'avoir un bitachon dans la Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu a créé le monde, il est le patron du monde. Il a dit de s'arrêter pendant la septième année, ça veut dire que la septième année, on ne devrait pas travailler, on devrait tout simplement faire confiance à la Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, en parachat de Arsina, il dit, mais si Thomas, et si tu lui manochal shana shivit, qu'est-ce que je vais manger pendant la septième année? La Torah dit, mais si vitit le khati, je vais ordonner ma beracha, benatal, à Arez, la terre de moi, pour shishit. Shemit, et attendre dans la fin de la Shemit pour ramasser. Et si Mitis et le Khadim n'a pas une chose à Shemit, des fois les Abbas Shemit, ça veut dire que quand il y a la confiance dans ton jour, le Rabbi Shimon Bar Yochai dit pour celui qui veut faire confiance à ton jour, pour comme moi, quand il est rentré dans la mer avant, il n'y avait pas du tout de pain, il n'y avait pas d'habits, il n'avait rien, il n'avait pas d'eau. Kadosh Baruch Hu lui a créé de quoi manger, de quoi boire, de quoi se vêtir. Une crème à bouteille. Ce qui manque à la personne, c'est le bitachon, la confiance dans la Kadosh Baruch Hu, la émouna dans la Kadosh Baruch Hu. Quand on dit à Père Asoké Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait peu qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, il y a un grand chef de la communauté Novardok, le Rosh Yeshiva de Novardok, à Sabami Novardok. Il a décidé de faire Bitachon Bashem. Bitachon Klali Totali. Il a décidé de s'enfermer, sans manger, sans rien. Il a dit, je dois faire Bitachon Bashem. Et quand je parle pour lui, il doit pouvoir. Eh bien, il y a une voisine qui s'est dit, comment est-il possible qu'un homme puisse vivre, puisse tenir comme ça, sans qu'il mange, sans qu'il boive, sans qu'il fasse. Alors elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui préparait à manger, le mettait près de la fenêtre, elle tapait, ton manger est prêt, elle partait. Donc elle avait comme ça, elle a nourri le savant de Novarno par la émona qu'elle avait, le tahan qu'elle avait dans la carrière de Novarno. Alors la bataille, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer Rabbi Shimon Bar Yochai, ça tombe toujours dans le parashat, est mort Beha, où il est dit qu'il faut faire une confiance aveugle dans la Kadosh Baruch Hu. Faisons confiance dans la Kadosh Baruch Hu. Et faisons honneur à Rabbi Shimon Bar Yochai. Montrons-lui que nous voulons célébrer sa Hilulah avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'enthousiasme. La femme de Morian, à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour, il a dit à ses élèves, pourquoi voulez-vous aller à l'extérieur et faire la parnassa, 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 vous voulez la parnassa, et pourtant la parnassa. Il a rendu tous les champs qui avaient devant lui de l'or. Il a dit, ramassez, prenez de l'or. La bataille, l'or est là, c'est la émouna qui manque, c'est le bitachon qui manque. Alors on vous donne l'occasion de montrer, de prouver votre bitachon, de prouver. Vous avez un amour pour Rabbi Shimon Bar Yochai. La bataille de la Rabbi Shimon Bar Yochai va vous le rendre en, je ne sais pas, un million de fois plus que ce que vous avez pour vous donner la bracha, la tzlacha, la parnassa, la refouat shema, la tzlacha, et la hâte de vos enfants. Amen.